Salut les mecs, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ça va être l'unboxing d'un colis que je viens de recevoir aujourd'hui même. Donc c'est un colis de la marque Libfis Barber, une marque que je t'ai déjà présentée quand je t'avais fait la vidéo du miroir 360. Vous savez, le miroir pour les personnes qui veulent se faire un dégradé tout seul. Alors le colis, ben, il est ici, comme tu peux voir, il y a le petit pagès juste là. Donc dans cette vidéo, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer ce qu'il contient et voilà quoi. Allez, je vous laisse avec l'intro et je vous reprends. Alors les mecs, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, petit unboxing de colis de la marque Libfis Barber. Avant de commencer la vidéo, on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés. Comme d'habitude, mon petit rituel est de nom juste ici, bienvenue à vous. Et ensuite, mon petit récap que je fais souvent en ce moment, c'est pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette vidéo, qui ne me suivent pas sur Instagram, sur TikTok ou sur Twitch. Ben, sur YouTube, tout simplement. Je suis tout simplement une personne qui partage son lifestyle, que ce soit grooming, fashion, high-tech, tout simplement. Donc, si tu te reconnais dans ce que je poste, abonne-toi et like cette vidéo, ça donne de la force, du référencement pour que ma chaîne puisse continuer à grossir tout simplement. Je précise tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le contenu, mais je vais pas me faire la mise à jour avec, parce que honnêtement, ça fait pas longtemps que je l'ai fait, il n'y a pas grand chose à faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est montrer tout le contenu. On va voir comment elles tournent les tondeuses, parce que je me doute qu'il y a des tondeuses à l'intérieur. Déjà, premièrement, on voit tout de suite le miroir 360 qui est juste ici. Donc, ce que je vais faire, ça, je vais vous en parler en dernier. Parce que je vous ai déjà parlé de ce miroir, mais je vais préciser des petites choses. Parce que je sais qu'il y a des petites questions qui vont venir dans l'espace commentaire. Donc, je pense pouvoir déjà y répondre. On va commencer par le petit truc. Donc là, comme tu peux voir, qu'est-ce qu'il y a? C'est une sorte de brosse. Donc la brosse comme tu peux voir, et avec ça, ça c'est quoi? C'est écrit Beard Pen Filler, donc c'est un stylet à barbe, un stylo à barbe. Moi j'ai l'impression que c'est fait pour combler quand tu as des petits trous dans la barbe ou faire les contours, mais bon, c'est un peu bizarre. Donc voilà pour le premier truc. Ensuite je vois deux boîte, donc ça va être les tondeuses. On va commencer par la petite boîte qui est juste ici. Alors à l'intérieur on voit la tondeuse et en dessous donc il y a fourni avec trois sabots et le chargeur en USB. On va enlever ça. Donc là c'est une tondeuse de finition, comme tu peux voir, franchement elle est vraiment jolie. Et le bruit propre. Donc ça, on verra bien si... En tout cas, là, je peux te dire qu'elle n'est pas réglée à zéro. Parce que je vois... Elle est... Franchement, ça doit être un 0,01, tu vois. Un 0,01, un truc dans le genre. Parce que c'est vraiment très proche. Mais c'est pas zéro. Donc voilà pour le premier produit. On va voir maintenant la seconde. Il y a deux sabots ici. Là, il y a deux sabots. Ensuite, il y a une brosse comme dans l'autre boîte et un chargeur en USB. Alors là, c'est une tondeuse à levier. Vous entendez? En fait, c'est un cran. J'ai pas de tondeuse comme ça. J'ai la tondeuse où c'est un levier qui glisse. Donc, comme vous pouvez voir, la tondeuse à levier est dans le même design hein, que la tondeuse de finition. Donc, c'est cool parce que ça va ensemble. Et quand tu allumes, voilà le bruit. Ensuite, il y a le niveau de batterie, comme vous pouvez voir. Ensuite, je sais pas c'est quoi, 65. Vous voyez là, 65 2 x 0, je sais pas. Ça veut dire quoi? Je vais vous mettre la deuxième tondeuse à côté. Donc voilà pour les tondeuses. Franchement, elles sont pas mal. Hein. Comme tu peux voir, elles sont vraiment stylées. Et elles vont ensemble en plus. On passe maintenant sur le miroir. Alors, ce que je voulais dire par rapport au miroir, déjà, premièrement, parce que la première question qui va venir, c'est mes pagès, t'as déjà un miroir 360. Fais-nous le gagner, offre-nous-le. Je sais ce qui va arriver dans les commentaires. Ben, désolé, mais non. Pourquoi? Parce que mon autre miroir, je l'ai offert à ma mère, parce que ma mère, elle se fait la teinture. Et du coup, derrière, elle voyait pas, et voilà. Ben, du coup, moi, je lui ai donné, hein, tout simplement. Donc, j'avais plus de miroir, donc je vais le garder pour moi, mais non. Désolé pour vous. Alors, et ce que je voulais aussi dire... deux personnes qui me disaient, oui, parce que voilà, je suis quelqu'un qui
a fait pas mal de vidéos par rapport au dropshipping. Mais la chose que je disais, mais que les gens n'ont pas retenu, c'est que j'ai pas un problème avec les dropshippers. J'ai un problème avec certains dropshippers. Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais... Ils vont comprendre. Ceux qui ont volé mon image et qui faisaient leur pub avec, et quand j'ai demandé qu'ils la retirent, ils ont fait tout un cinéma et qu'ils commencent à me parler mal en message. Tu l'as marqué sur les gélécopies de page écran. Parce que le miroir, on me dit, ouais, mais sur AliExpress, on peut le trouver. Voy a la playa, bien sûr, yo la marée. Et j'ai dit aux gens qui m'écrivaient ça, trouvez-moi-le. Moi, il n'y a pas de problème. Si tu le trouves sur AliExpress, donne-moi le lien. Si tu as un lien de ce miroir 360 sur AliExpress, tu me le donnes. Moi, il n'y a pas de problème. Je le partage sur ma chaîne pour que les gens puissent l'avoir moins cher. Et qu'est-ce qu'on m'a posté comme lien? Donc, un miroir 360 où il n'y a pas de crochet, où il n'y a pas les mêmes rebords. Ça n'a juste rien à voir, tu vois. Et voilà quoi. Si tu as envie de fabriquer des crochets derrière, etc., soit, vas-y, tu vois, mais faut pas me dire que ce que je vous ai présenté, ce miroir 360, est en vente sur AliExpress. Moi, les mecs, je suis honnête avec vous, j'ai vraiment cherché, avant même que cette marque me contacte il y a quelques mois, franchement, j'avais cherché pour moi un miroir 360, j'ai jamais trouvé. Il faut le savoir. Voilà. Donc pour vous dire que si j'avais trouvé, vous savez que je suis le premier à vous montrer. Regardez, on peut le trouver là à moins cher. Mais oui, c'est clair. Alors, comme je le disais, c'est un produit qui est pas donné en soi parce que il coûte quand même, je crois, 70 ou 80 euros. What? Tu vas me dire que c'est cher pour un miroir 360. Moi aussi, je trouve que ça reste un prix relativement élevé. Mais comme je le disais dans ma vidéo, c'est un prix qui va être amorti en moins de 2. Parce qu'il faut dire que ça, tu vas l'utiliser pour te couper les cheveux. Tu vas te couper les cheveux au moins 2 fois par semaine, tu vois. 2 fois par mois. Si tu te coupes deux fois les cheveux par mois, ça va te faire économiser 2 fois le coiffeur. On va dire, on va partir, c'est un coiffeur, voilà, pas cher du tout, à 15 euros, ça te fait 30 euros le mois. À 30 euros le mois, au bout de 3 mois, c'est déjà rentabilisé. C'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est ce que j'expliquais aux gens. Donc voilà ce que je voulais dire grosso modo sur le miroir. Là maintenant, vous pouvez voir à l'intérieur comment c'est. Donc j'ai remarqué qu'ils ont changé leur packaging parce qu'avant, il n'y avait pas tout ça là, les images d'Instagram, de trucs comme ça. Ah, et à l'intérieur, il y a les dessins pour les dégrader, comme tu peux voir. Ah oui les mecs, j'avais oublié de vous dire qu'ils ont une chaîne YouTube où ils vous postent des vidéos tuto pour vous apprendre à vous couper vous-même. Alors pour le miroir, il est juste ici. Il est encore sous sorte de cellophane. Donc tu l'ouvres comme ça. Voilà. Et là, voilà, c'est parti pour te couper les cheveux. Ensuite, pour le ranger, c'est juste comme ça. Je me suis trompé d'ailleurs. Génial. Alors derrière, il y a les crochets. Voilà. Et après, tu peux l'accrocher où tu veux. Donc voilà les mecs pour les produits que moi j'ai reçus. Sinon, il y a un lien dans la barre d'informations. Si tu veux avoir 10% pour le miroir, si tu es quelqu'un qui te rase ou qui te coupe tout seul, tu sais te couper les cheveux, honnêtement, c'est un bon investissement, tout simplement. Si tu es quelqu'un qui se coupe une fois tous les 10 ans, non, ça ne va pas être un bon investissement. Tout simplement les mecs. Donc voilà les mecs, c'est une vidéo courte, je pense. J'espère qu'elle vous aura quand même plu, qu'elle vous aura inspiré pour peut-être acheter un des produits et prendre soin de vous tout seul. Bref, je vous laisse là. Je vous dis à une autre vidéo grooming ou fashion. Allez, peace les amis. Et remerciements à ceux qui ne m'ont pas insulté, qui me soutiennent, que je ne connais pas, qui m'envoient. Dédicace à tous ceux qui nous soutiennent et tous ceux qui m'envoient des messages. La...